Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Fallout 4 Far Harbor, chers amis. Donc toujours dans ce DLC qui est toujours très très particulier. Excusez-moi, j'ai viré un petit peu le... Est-ce que je peux le remettre comme il faut? Non, je peux pas le pivoter. Je peux pas le pivoter. C'est dommage. Même en faisant ça, non. Ah. Oh. Bien vouloir t'animer. Allez, redescends sur tes pieds, ce serait parfait. Allez. Viens par là. Si je fais ça... Ah mince. Non, il veut pas se pivoter. Tant pis. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coin? Il y avait juste un cagibi, littéralement. Ok, bon. Il semble avoir vu une porte de sortie, on va en profiter pour la prendre. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout où ça va nous emmener, chers amis. Et honnêtement, si ça nous amène dans le bureau du chef, on se sentirait con. Ou derrière une cage, par exemple, vous savez. Ça pourrait être très très con. Là, j'ai envie d'aller voir quand même Dima, histoire qu'on s'explique un petit peu. Ça me fait d'autant plus chier maintenant. Parce que si eux, ils savent... Enfin, ils auraient... Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, dans un endroit pareil, ils auraient très bien pu défoncer la porte. Honnêtement. Évitons de tomber. Ce serait bête. Donc il aurait peut-être fallu qu'on fouille la zone avant. Non, pas d'intérêt. Boîte de conserve, j'en ai pas besoin. Par contre, des canettes, j'en ai besoin. Écoute, je vais prendre les canettes, vu que tu me le proposes si gentiment. Ok, là, il y a le trou, attention. Là, il y a un truc à droite, rien à gauche. Et devant. Un truc à droite. Et il y a l'autre trou du cul là-bas. Qui doit se dire, mais c'est marrant, je l'ai vu entrer par la porte. Il ressort par une autre porte. Aurait-il réussi quelque chose que je n'ai pas réussi moi-même? Non! Non, c'est faux! N'empêche que j'aime pas les enfants d'atomes. Hein. Je les aime pas, mais je peux pas les génocider. Parce que voilà. On va pas génocider des gens non plus. Il me semble l'avoir déjà fait dans quelque chose. Enfin bon, c'est pas grave. Plus grenade, je vais le prendre. Ok. Et donc, comment je redescends? Parce que c'est pas où vous êtes un petit peu rigolo, mais... Un peu quand même. Dis-moi, comment je redescends? Ah, il y avait une... Bah. Ah oui, c'est... C'est juste un cul de sac. J'aurais dû venir avec un jetpack. Clairement, j'aurais dû venir avec un jetpack. Parce que franchement, quand je vois ce qu'il y a là, je me pose des questions. Parce que c'est pas comme si le jeu me disait « Fais gaffe à toi », mais... Quand même. Oh, oh. Hop les. Personne n'a rien vu. C'est dans quoi cette musique là? Ah, c'est la Belle et le Clochard. Ah là là, quelle horreur. Nous arrivons sur la scène du commandement, les démons de la rue, ils sont un gang de pillards, amateurs de technologie tout juste assez malins pour savoir s'en servir. Oui, on les a déjà combattus, ils étaient pas si balèzes que ça, même si leurs robots sont stylés. Le temps est pas génial. Soyons honnêtes. Le temps, il est pas cool. Qu'est-ce qu'on a comme quête? Mieux vous oublier. Trouver le code de la commande d'arrêt d'urgence du parc éolien. Trouver le complexe... Récupérer les disques de stockage. Oui, effectivement, ça je m'en rappelle. Construisez et placez les éléments défensifs pour protéger vos indexeurs. Ça, je l'ai fait. Découvrez le complexe médical de Dima. Ok. Ok, on a du boulot. On a du boulot. Je regarde l'heure qu'il est quand même, que je puisse savoir combien de temps va durer l'épisode.
Bon. Ok. Bon, on va chercher le complexe médical. Commencer par ça. C'est le premier truc qu'on a vu, je crois, dans la zone. Parc éolien. Qu'est-ce que... Ah oui, les clés de lancement nucléaire. Usine Vinpop. Bah écoutez, c'est là. On n'était pas loin. Carrière de Northwood Ridge. On va y aller. Ce sera légèrement au nord. On se téléporte là pour se rapprocher. Acadia National Park. C'est joli comme plaque, hein, quand même. Ils ont vraiment un travail quand même qui est vraiment assez sympa derrière. Je dois l'admettre, c'est vraiment un très très beau travail artistique sur cet endroit. Il est bien mieux réussi, je trouve, que... Alors, c'était Far Harbor pour celui-ci, et précédemment, c'était Point Lookout. Au nord, et ici, voilà. Et je me rappelle de cet endroit. C'est un endroit très rigolo. Il y avait des explosifs partout. C'est Kanigou. Oula. Avec son sac, j'ai eu du mal à reconnaître. Mais bon, la pâtée pour chien, ça pèse son poids. Maintenant, il porte sa bouffe. Hein. Soyons honnêtes. Hop. Yo, les filles. J'ai dit les filles et ça vous a pas plu? Hop. Il en restait un. Il en restait un. Pourquoi pas. C'est par ici apparemment. Oh merde, il y a de l'eau entre deux. Oh merde. Il y a de l'eau et un mur entre deux. Merde, fais chier. Fais chier. Ah non. Remonte. Vraiment. Oh putain. Forcément, on n'a pas de jetpack quand on a besoin d'un. Hop, on va se remonter par là. C'est bon. Ok, il y a une entreprise ici. Oula. Ok. C'est très très moche. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'était pas rempli de super mutants là-dedans. Si. Je me souviens. Attaque-le. Qu'est-ce que... Il y a des jambes là ou c'est moi? J'entends des bruits. Oh, j'ai vu quelque chose pourtant. Un bruit. Meurs. Meurs. Alors. Personne ne m'a vu. Pourquoi pas? C'est très très sombre dans le coin. Bah écoute, why not? Qu'est-ce que... Un commerçant. Ok. Pauvre tipeur. Pourquoi pas, je récupère les munitions. Toujours du bien par où ça passe. Là on pourrait remonter si on voulait. Ce qui nous ramène là où on était tout à l'heure. Non même pas. Si c'est là où on était tout à l'heure. Donc c'est pas par là. C'est pas par là. Bonjour. Bon bah usine Vim, allez on y va. C'est là qu'on doit aller, alors on y va. Je vais vérifier l'heure quand même. Oui, 14h07. D'accord. Oui, c'est la première vidéo de l'après-midi. Ah, bonjour. Oh là, toi tu vas me faire du mal. La vie devrait être comme ça, découvrir le secret.
Oh bah il y a des quêtes qui se déclenchent comme ça maintenant. Alors est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est pas un bug? Merde, c'était Canigou ça. Est-ce que c'était un Canigou ou est-ce que ce n'était pas un Canigou? Oula. Vous voyez qu'il est pas si pété que ça, mon putain de flingue. Oh le râteau. Merde de couvert râteau. C'est pas ces machins là qui te donnent des maladies moisies. Merde de couvert râteau, puis je vais... Hop. Mais merde, il me fait vachement mal en plus, c'est. Hop. Putain, il est solide. Hein. Oula. Bah écoute, on va viser autre chose. La tête, pourquoi pas. C'est bon, ça a suffi. Par contre, je vais pas vous dire que je me fais tirer dans le dos, ça serait pas faux. Vas-y, viens. Tu sais quoi? Bouffe ça. Voilà. Kenigou, tu t'en sors ou pas? Et... Hop, bah alors. Allez. Tu vas bien mourir, oui. Merci. Bon, c'était pour le plaisir de le faire au corps à corps. Hein. Je pensais que ça allait faire une petite animation à la con, mais apparemment non. Intéressant. Ça va bien se revendre, à mon avis. Alors. Excusez-moi. Il y a le repas qui est de remonter. Bon. On a 23 steam packs, quelques radoués. Il y a de la pâté pour chien. En cas de pépin. Ok. On est full life. On a une quête qui s'est déclenchée. J'ai envie de voir si c'est. Qu'est-ce que c'est que cette quête? Découvrez. Bah d'accord. Ok. Oh, c'est quoi la petite image? Salut, c'est toi le méchant. Fait des mesures extrêmes pour garder Farabor sous son contrôle. Il y a apparemment une installation médicale de fortune sous les ruines de l'usine Vim. J'aurais m'y rendre pour obtenir des réponses. Bah écoute, on y est. Tant mieux. Donc c'est dessous apparemment. Donc bah écoutez, porte de sécurité, on y va. Bah voilà, c'est par là. D'accord, oui, c'est toi que j'ai buté tout à l'heure d'en bas. Enfin, d'autre d'en haut plutôt. Qui était en bas donc. Chauffante si tu le veux. Si tu veux. Alors. Le nounours. On va sauver le nounours. Et on continue à descendre. Alors. C'est mouillé au sol. Je n'aime pas ça. Bonjour. Encore un commerçant. C'est peut-être plus croustillant, qui sait. Ah ah ah. Terminal du quai avancé. Intéressant, qu'est-ce que c'est? Raided. Non, c'est pas Raided, donc c'est pas Carved. Ça peut être Strips. C'est pas ça. Smooth. Génial. C'est Smooth. C'est le premier S. Commande à distance de la porte. Bah écoute, ouvre la porte. What the fuck? What the fuck? What the fuck is that shit? Elle est un peu OP cette arme ou c'est parce que c'est un monstre unique? Qu'est-ce que... Canigou! Par ici. Meurs! Oh la gueule! Ok, je l'ai pas vu venir. Je l'avoue. Je prends ton échiquier parce que échec et mat. Popopo. Oh la gueule! Je l'ai pas vu venir.
pour me déplacer plus vite. Je sais plus c'est lequel que j'ai à l'heure actuelle. Ah oui, faster reload. La petite Rambo. La petite Rambo. Je vais la prendre. On aura peut-être besoin. Rambo est toujours avec nous, chers amis. Ne l'oublions pas. L'éclairage n'était pas bon. Perds pas la main. Ok. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Ok, et d'un. Wow. T'es pris des balles dans le dos, toi, je pense. Ok. Alors, seigneur de guerre, ça va être autre chose par contre à buter. Qu'est-ce qu'on a comme arme sympathique? Nous n'utilisons pas à l'heure actuelle. L'arbalète, on a quelques carreaux. Ah oui, c'est vrai, je sais pourquoi j'utilise pas. Hop les. Fait mal? Fait mal? Hop les. J'ai pas... Ah non, mais bois pas de l'eau! Mais qui les con? Vas-y, radis-toi la gueule, c'est bien. Alors. Putain, il est là. Et par contre, c'est pas avec cette arme que je vais l'avoir. Ou alors, il va falloir que je joue avec une autre arme. Enfin, faut que je joue avec une autre armure, pardon. Qu'est-ce qu'on a? Piège à ours, non, ça peut être utile. Sanguinaire non plus. Une seule suffira, ça peut être rigolo. Ou alors on utilise une arme légendaire. Ah, une arme qui fait des dégâts supplémentaires au super mutant. Intéressant. Faisons des essais. On va faire des tests en usine, chers amis, hein. Tout simplement. Yo. Bah c'est pas ça, hein. Ok, on vise. Oh là, c'est la Sans. C'est moi. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. C'est moi Sancho de Cuba. Ouais, c'est ça. Oh bah tiens, ouf. Techniquement, tu dois avoir mal quand je tire. Bon, c'est surtout moi qui ai mal quand il tire. On va sortir l'arme qui fait des dégâts psychologiques. Visons la tête. Hop les, la balle en pleine tête qui lui a fait bien des dégâts. Mélange vim. Oh, intéressant. Pour mettre l'usine en marche, ça peut être rigolo. Watch, c'est pas ça. Taken, ça peut pas être ça. Pax, ça peut pas être ça. C'est pas ça. Live, il y a quelque chose dans Live. C'est ça. Ça y est. C'était le AVE qu'on avait. Je m'en fiche. Commande de la porte de sécurité. On l'a fait. Maintenant c'est fait. On va voir ce qui se cachait derrière la porte. Hein. Où est-ce qu'on est? Je vais peut-être regarder Grun et réduire leur camp en miettes. Je ne sais plus vraiment pourquoi on fait ça. Ce n'est pas le gibier qui manque sur l'île, mais quand j'en ai parlé aux autres, ils ont menacé de me tuer si je venais aussi faible que les humains. Grun essaie de me frapper, mais il est trop lent. J'ai réussi à esquiver. D'accord, il y avait un mec qui était sympa dans le groupe. Allez sur l'île, je me sens étrangement calme depuis. Je ne sais pas si ça vient de ce vim au goût bizarre ou du brouillard, mais les autres n'ont pas l'air d'affecter. Au contraire, ils ont l'air d'encore plus violents que d'habitude. D'accord. Il y avait quelqu'un de sympathique dans le groupe en fait. Fais chier, je l'ai buté. Hop. Bon bah voilà, on a fait le plein. On a fait le plein de munitions. Apparemment, le seigneur de guerre super mutant était sympa. Désolé pour toi.
Tu ne le sauras plus jamais de ta vie, malheureusement. Un régulateur de pompe. Excellent. Ah bah écoute, pourquoi pas. C'était une pièce principale, enfin une pièce intéressante apparemment. Je sais pas vraiment à quoi ça correspondait, mais pourquoi pas. Ok. Est-ce que je peux boire directement dans le truc? Il manquerait plus que ça. Ce serait magique, remarque. Ouvrir. Des chiottes. Des chiottes. Maman, mes chiottes! Ok. Donc on peut grimper plus haut encore. Aller plus haut! Sortir plus haut! Je vais arrêter de faire ce genre de chanson. Attendez, parce qu'il y a des trucs par là. Il va pas y avoir un endroit où je vais devoir poser la pièce ou un truc comme ça. Allez plus haut! On va arrêter. Je suis sûr que je peux boire le vim directement à la source. La source de vim! Ah bah non, c'est de l'eau. Ah, je suis dégoûté. Honnêtement, je suis dégoûté. Tiens, t'es con, il marchera plus celui-là. Il y avait une petite boîte à cigares. Non? Livre brûlé. Dommage. Hop, est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin? Ah oui, il y avait le garde-manger. Bon. Il y avait des missiles dans la boîte, ça se voit pas, hein. Bon. Eh ben, on va continuer. Ok. Bonjour, terminal débrouillé novice. Ah oh bah écoute, ça devrait aller. Armor. Non, c'est pas armor. C'est pas laser. Pip. Non, pip. C'est pas pip. Est-ce que c'est shady? C'est pas shady. Faisons-le sans être intelligent, du coup. Hein. Ça va nous changer. On va pouvoir récupérer à nouveau des trucs spéciaux, vous savez. Ça va être sympa. Si j'en trouve. Imaginez si j'en trouve pas. Si j'en ai un. Hop. Bon, incorrect, supprimé. D'accord, c'est pas celui-là que je voulais. Je l'admets, hein, je l'admets volontiers, c'est pas celui-là. C'est pas sur celui-là que je comptais des masses. Ok, je sens que je vais l'avoir dans le cul. Bon, incorrect, supprimé. Je sens que je vais l'avoir profondément dans le cul. Je sens que je vais l'avoir infiniment profondément dans le cul. Et c'est Rinsaisy. Ouh ! Hides. Ça aurait pu être Hides. Cependant, il n'y a aucun rapport avec Wall. C'était pas Pipon, d'accord. Hein. Donc ça va être Oasis. Voilà. On est trop fort. On est trop fort. On a failli y passer à côté, mais on est trop fort. Honnêtement, j'aurais pas pensé à Oasis. Enfin, je pense pas. D'accord, il y avait moyen de se retrouver de l'autre côté, en fait. Pour déverrouiller le truc. Ok, pourquoi pas. D'accord. Ah bah écoute, on va prendre l'ascenseur dans un bâtiment désaffecté et sans doute mal alimenté électriquement. C'est génial. Ne faites pas ça en vrai, chers amis. C'est sans doute la chose la plus dangereuse en dehors des super mutants qu'on ait pu faire pendant l'ascenseur. Ok. Ok, il va y avoir des bestioles. Je déteste les bestioles. Tombe sans nom. Oh la gueule. Oh non, il y a des tombes là-dedans. Oh non, putain. Ok, on creuse. Oh la gueule. Jouer, ce qui est fait est fait. Est-ce que ça va faire mal? Oui, c'est comme si on vous arrachait l'essence de votre être pour la remplacer par autre chose, par quelqu'un d'autre. Je suis prête. J'aurais seulement aimé dire au revoir à tout le monde. Personne ne doit savoir. Il ne s'agit pas seulement d'un film par arbor. Vous allez devenir l'humaine qui accueillera les synthétiques venus nous rejoindre. Oh putain. Une personne pragmatique, prête à les accepter comme les êtres. La seule fille qui a cru en nous, Avery, elle est là. Elle est morte depuis longtemps. Vous allez nous aider à tendre un pont entre nos deux mondes. Tout ça n'a plus aucun sens si l'on découvre que vous avez été fabriqué. Êtes une synthétique. Il fallait vraiment qu'elle meure, la femme que je remplace. Bon sang,
Elle a l'air si paisible, allongée là. N'y pensez pas, je vous en prie. Cette mort va rester sur ma conscience, pas la vôtre. Dima me plaît, Dima signe est vraiment... Signe de vie détectée. Analyse en cours. Si vous avez besoin d'aide, veuillez vous approcher de l'interphone. On va attendre un petit peu. On va fouiller la zone d'abord. Y'a rien d'autre à fouiller, on va aller lui parler. Interphone. Ok, bonjour. Analyse supplémentaire en cours. L'utilisateur n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de confinement médical. J'aurais pourtant bien aimé un peu de compagnie. Cela fait tellement longtemps. Tu m'étonnes. Ah, du coup, il faut que je regarde quoi? Ah d'accord. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? D'après mes fichiers techniques, je suis une simulation informatique. Une intelligence artificielle. Numéro de version Kai 1.1. Mais je pensais garder simplement Kai. Je trouve que c'est plus sympathique. Quels sont les utilisateurs autorisés? Qui est autorisé à entrer ici? Mes capteurs biométriques ont été calibrés pour laisser entrer un prototype de synthétique. Nous savons donc qui c'est. L'utilisateur n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de confinement médical. Je ne peux plus utiliser le truc. Ok. Alors ça c'est pas bon. Il faut qu'on puisse entrer et là ça m'a en fait le... Ça m'a fermé le dialogue. Donc, qui es-tu? Qu'est-ce que vous êtes? D'après mes fichiers techniques, je suis une simulation informatique. Une intelligence artificielle. D'accord. Numéro de version Kai 1.1. Mais je pensais garder simplement Kai. Je trouve que c'est plus sympathique. Donc, je crois que t'es pas prêt de voir des utilisateurs autorisés. Soit tu me laisses entrer, soit t'attends éternellement. C'est toi qui vois. Vous avez raison. Très bien. Voilà. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mes réserves de puissance sont un peu faibles. Je passe en mode économie d'énergie. Bonne chance à vous. Comment ça, bonne chance? Donc c'est ici qu'il a construit des synthétiques. Intéressant. Ce qui veut dire qu'on aurait pu réaméliorer... Ce qui veut dire qu'on aurait pu améliorer... comment qu'il s'appelle? Enfin, descendre. Plus j'ai utilisé ces minutes. D'accord. Un shotgun, disons, qui a l'air assez sympathique comme ça, hein. Honnêtement. Ça m'intéresse, il va falloir l'améliorer ce truc-là. Par contre, je comprends pas l'intérêt de rentrer dedans. Je comprends pas, à part l'arme légendaire, je comprends pas. On va virer le... on va chercher Kanigou. Kanigou. Non. Kanigou. C'est pas que je marche pas très vite, mais... je marche pas très vite. Kanigou, t'es resté dans l'ascenseur? Il est resté dans la... Non, c'est... Si! Il a eu peur de moi. Pourquoi tu montes les dents? Il est con ce chien. Il est con ce chien. Ok, bon. On va donner tous les trucs légendaires que j'utilise pas. Alors, tiens. Ok. Tiens. Tiens, ça je veux pas l'utiliser non plus, c'est pas légendaire mais j'utiliserai pas. Hop, bon, on remonte. On remonte. Bon. On va pas se mentir. C'était pas drôle du tout. Retourner informer Kazumi, parler du meurtre d'Avry à Far Harbor, parler à Dima du meurtre. C'est un choix donc. On va parler à Dima du meurtre d'Avry parce que je suis... Sur le principe, je peux comprendre qu'il ait eu besoin. Mais c'est quand même un homicide. Et il a assumé, en plus sur le principe aussi, il a assumé le fait que ce soit lui qui l'ait tué. Et que c'est un meurtre. Vous savez, il a dit, il aura ça sur la conscience. Honnêtement, Dima me plaît, hein. Il est humain. Il est humain, faut le dire, hein, tel que c'est. Il est clairement humain. Rez-de-chaussée. Faut qu'on sorte maintenant.
rapidement possible. Ça serait cool. Ah, il y a des munitions là. Cool. Hop. Il semble qu'il y avait une sortie par là, non? L'île. Ok. Ah bah non. Je croyais. Excuse-toi. On n'est pas allé par là. Intéressant. Ah si, ça me dit quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose. La sortie est par là. D'accord. Oui, il y a des grandes portes, mais j'imagine que je peux pas les prendre. Exit. Siège de Vim. What the... Bon bah écoutez, pourquoi pas. J'imagine que c'est le bâtiment administratif au final. Ni plus ni moins. Un bruit. Parking de Vim. Bah voilà, on est sorti. On est sorti. Sans qu'il y ait trop de problèmes. Normalement. Normalement. Falloir qu'on en fasse des robots, hein. Falloir que j'en fasse. On verra bien ce qu'on fera, mais je vais en faire quelques-uns et on verra ce que ça va donner le moment venu. Ok, parfait. Bon. Ensuite. Ah, il y a des ennemis à proximité. Où est ce fameux ennemi? Ah oui, celui qui était sur le toit là-haut. Exact, exact. Je me souviens. Je me souviens. Bon. Donc. Où est-ce qu'on va maintenant? Code de lancement nucléaire. Ou autre chose. Alors apparemment il a pas pris l'autre quête, d'accord. Mieux vaut oublier. Voilà, c'était ça. Ici, grand hôtel de Far Harbor, code de lancement nucléaire. Bah écoutez, vu que c'est assez... Bah attendez, où est-ce qu'est l'autre? Ouais, c'est assez loin de tout, là, de ce côté-là aussi. On va se téléporter à la porte sud-ouest. Port sud-ouest, pardon, excusez-moi, pas porte. C'est le port sud-ouest, effectivement. Je vois ce que c'est. Et une fois que ce sera fait, on va aller directement à l'est. En tout cas, si le chargement veut bien se faire rapidement. Je dois avouer que je suis assez inquiet, là, pour le coup. Normalement, il aurait dû m'afficher. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Sud-est. D'accord, on part à l'est. On part à l'est, y a pas de souci. On va suivre la route. Ça va être d'autant plus rapide. Ah ah. Par là. Je me suis pas trompé, hein. Eh bah si. Ok. Here we go. Pip 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 pip. La lumière par là. Il y a carrément un bar en plus même. Sans alcool. Dommage. On repartira. Cet endroit est véritablement un cul-de-sac surtout. Hein. C'est... Hop, on passe par là et on sera bon. Ah mais c'est le chemin qu'on... Ah bah non, on est passé, en fait on est passé à côté du point et on l'a pas pris, on a vraiment été mauvais. On a vraiment été mauvais. Bon, c'est parti. Au moins nous sommes sur la route, c'est toujours ça de fait. Oh, il y aura bien une ou deux goules sur le chemin, je présume. D'ailleurs, à ce sujet, on va reprendre le P99. Non, il tombe en petite quantité de balles. On a encore 200 balles sur nous, c'est rien, c'est pas rien, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-bas? C'est une marée noire. D'accord, pourquoi pas. On avait dit ce flingue là. Voici donc le grand hôtel. J'entends quelque chose. Entendu quelque chose? Pas moi. Absolument rien. J'ai rien entendu.
C'était sûrement rien. Y'a quelqu'un ? Oh ! T'as le wifi, mon pote. Une porte ? Non. Ok. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Hein ? C'est quoi ça ? C'est l'heure de mourir. C'est moi ! Tu peux te cacher. Putain ! Ok. Et de 1. De 2. Y'a des robots ? Non, c'est un super mutant. Bonjour ! C'est pour un sondage. C'est pour une tétectomie. Voilà. Oh la gueule. Oh la gueule. T'as vu ça ? Putain, c'est une Gatling laser. Oh la gueule. Tiens, bouffe. Et toi là-haut, bouffe aussi. J'ai dit qu'une seule suffira. Et une seule suffira. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème maintenant? Non, ça va, vous êtes calmé? Vous êtes calmé ou vous avez canné? C'est pas pareil. Parce que si vous répondez pas, je dirais que vous êtes plus canné que camé, que calmé, pardon. Camé peut-être aussi, remarque. Hein. Hello! Je l'ai pas vraiment localisé, hein. Je suis juste à l'endroit où elle est censée être. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être un bon combat. Bonjour. Vu qu'il a dû y avoir du monde en haut. Toi, joue avec moi. T'inquiète, je suis là pour ça. Un chargeur, vous vous rendez compte? Il a survécu. Pas longtemps, mais il a survécu à un chargeur. Parce qu'il était légendaire. Ok, on a une sortie, donc on n'est pas au bon endroit. Sauf si, attendez. J'ai cru entendre une balle passer. Une balle sifflée. Pas de coffre. Pas de coffre. Ah non, c'est la musique. Au suivant. Meurs. Touche pas à Canigou. Boîte explosif. Avancez. Allons-y. Parfait. Ça y est. Rêve où il y a un chien à côté. Ah, j'ai vu une vidéo extrêmement triste avec un chien, chers amis, il y a pas longtemps. Bref. Moi j'aime pas qu'on fasse du mal aux bêtes. Soyons clairs, j'aime pas du tout ça. Une bête, ça a que de l'amour à donner. Si elle est violente, c'est de votre faute. Je vais prendre le peignoir, parce que voilà, le peignoir, c'est la vie. Il a un nain de jardin qui est en train de chier en lisant le journal, d'accord, pourquoi pas. Je vais plus faire gaffe au bout d'un moment, par contre. Hein. Soyons honnêtes. D'accord, clé numérique. De mieux en mieux. Pour Franny. D'accord. Franny, c'est moi. Je suis au grand hôtel dans notre ancienne suite. 48-51-30. C'est la combinaison de l'abri sécurisé qu'ils ont construit en cas de... Ah oui, c'est pas l'abri-abri, c'est l'abri sécurisé. J'ai préparé.
s'enfuit rapidement en cas de besoin. Mm-hmm. Mais je refuse de participer à ça. Une guerre nucléaire? Je peux pas. Et je laisserai personne utiliser mon sous-marin pour détruire la planète entière. Je t'en prie, Franny. J'ai besoin de toi. Si c'est vraiment la fin du monde, je veux être avec toi. Oh. C'est mignon. Bon, pourquoi pas. Apparemment, ils étaient ensemble à la toute fin. Joli. Ok. Un petit peu plus de munitions, je dirais pas... Aïe. Je dirais pas non, c'est ce que je voulais dire à la base, mais bon. Voilà, j'aurais dû m'en douter dès le début. Ok. Bon. Brosse à dents, ça m'intéresse pas de lui piquer sa brosse à dents. Même si techniquement, il est mort. Écoutez le bande de l'abri. Lire la bande déjà. Hé, hey, main en l'air. Où est la clé? Franny, baisse ton arme. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Mon boulot. Tu vas me filer cette clé et moi, je vais toucher ma récompense. D'accord. Ta récompense? C'est la fin du monde. Tu crois vraiment que... Tu peux gueuler tant que tu veux, Arnie. Tout le monde a été évacué, il reste que nous. Allez, concentre-toi. Où est la clé? Va te faire foutre! C'est lui qui l'a tiré dessus. J'ai tout mon temps, Arnie. Ah non, c'est elle. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça change de toute façon? Elle est sur le bateau. Quoi? Le quai de Fritschkov. La combinaison est... 44, 6, 75, 12. Eh ben tu vois quand tu veux. Adieu, capitaine. Bon, elle est où la commande de cette foutue pomme? Non. Bien joué, capitaine. Désolé, Franny. Je crois que tu vas devoir rester ici. C'est beau ça. Bien joué, capitaine. Prends la Lolo Band. Ça fait une preuve supplémentaire. C'est vrai que. Y a pas de commande. Faut attendre que quelqu'un vienne ouvrir de l'extérieur. Y a pas de commande pour sortir. Ok, sortons. Non, là c'est le pauvre bonhomme en train de chier. Ok. Par où la sortie? C'est par là. Hop, l'île. Ok, ok, bon. Il s'en passe des choses. Hein. Il s'en passe des choses. Bon, bon, bon. Dima. Comment as-tu su que c'était là-dedans? Ça, la véritable question. Attendez, c'est juste à côté ou c'est loin? C'est assez loin. Et un autre observatoire, phare de Brooks. Ah oui, non, c'est là qu'il va y avoir les saloperies. Non, ouais, ouais, pourquoi. Non. Non, 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 non. Hôtel des enfants d'atomes. On va passer par là, tant pis. Ouais, comment il a su pour les codes de lancement? Comment il a su? Sachant qu'en plus, il savait pas exactement où ils étaient. Il savait qu'il y avait un indice. C'est ça que je comprends pas. Normalement, un homme sensé irait chercher directement les. Enfin, savoir où est-ce qu'ils sont pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Parce que franchement, sur un bateau. Si je devais fouiller quelque chose. Si je devais fouiller quelque chose pour m'assurer de. Enfin, si je devais chercher quelque chose et m'assurer de. Du fait qu'il soit, soit protégé et en sécurité. Franchement, ce qu'il a fait, c'est un échec. Hein. Soyons honnêtes, soyons clairs. Hein. Sa recherche a mené à rien. Strictement à rien. Bon, j'imagine qu'il y a un bateau dans le coin. Effectivement, il y a un bateau dans le coin. Hop, quai de Fritschkov. Nous y sommes, finalement. Attendez, un peu plus de résistance dans le coin. Il semblerait qu'on soit tranquille. J'ai rien dit! Comment ça, enragé?
Allez. Boum. Encore une. Boum. Parfait. Ok. C'est le bateau qui aurait fait marée noire, je pense. Ok. Je vois un coffre. Rien dedans. Mais ça reste un coffre. Yo les filles. Ça se bouscule dans vos slips. Comment ça, les filles ne portent pas de slip? Qu'est-ce que c'est que ce... Non, je ne peux pas y croire. C'est complètement faux ce que vous dites là. Putain, c'est ce bateau là. Moi qui essaie d'éviter l'eau. Moi qui essaye d'éviter l'eau. Il y a un coffre, c'est pas là. On voit le truc derrière et on se dit non, c'est pas là. L'Ophius ou ça. Bon. Il faut que j'aille dans l'eau. Ce qui, je l'admets, me plaît pas. Si je l'admets, me donne envie de l'éviter. Bon, on y va, c'est pas grave. C'est même pas ce bateau là, c'en est un autre encore. C'est génial. Est-ce que je peux y aller, s'il te plaît? Oh la gueule! Combinaison du coffre, c'est bon, je l'avais. Hop, du bourbon. Crac. Clé de lancement nucléaire. Oh la vache. Ça fait pas mine. Et un gun. Ok, allez, sors de l'eau, Marcus, sors de l'eau, putain! Ok, c'est bon. J'en ai plus ou moins. Bah, pourquoi tu avances plus? Ah putain, je suis dans la marée noire, j'avance plus à rien! Quand on est dans la marée noire, on n'avance plus, c'est bien fait! Allez! Ah non, c'est parce que j'ai trop de choses sur moi? Peut-être ça aussi? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut virer? Au niveau des armes, j'ai pas envie de virer grand chose. Au niveau de ça, par contre, je peux virer ceci. Voilà, parfait. Je crois que c'était. Ah, ça m'a presque fait plaisir, vous savez. Toute honnêteté. Bon alors. Je sais qu'il y a une bestiole par là qui veut ma peau. Qui veut la peau de Marcus Bonus? Non, c'est Roger Rabbit, normalement, c'est ça? Dommage. Je suis plus connu que lui, peut-être. Non, pas encore. Pas encore, Marcus. Calme-toi. Bon, il est en dessous. Mais ce n'est pas grave. Je t'ai vu. Ça fait mal? Vous avez vu en combien de balles j'ai tiré sur le... Le grun. Donc vous vous rendez compte des points de vie qu'ont ces trucs? Bon, apparemment ils se sont enfuis. Ce qui en soi n'est pas plus mal. Je m'enfuis dans la direction opposée. On a les codes de lancement nucléaire, il nous reste plus qu'un truc je crois à faire. Purger la terre, effectivement. Le code d'arrêt d'urgence. Du parc éolien. Effectivement, il reste encore une chose. Et c'est au nord. Ok. Enfin, au nord, tout est relatif. On va aller aux appâts et hameçons de Briny. Et on va se laisser là, les amis, pour cet épisode, je pense, en tout cas. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à aller sur le lien dans l'écriture de l'épisode de mon partenaire Gamespain.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Je vous les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, un grand merci pour les bientôt 5K abonnés. C'est pas là qu'on avait rencontré Bernard l'ermite? Si, il me semble. Donc encore une fois, un grand merci à vous les amis. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.